Salutations, bienvenue à vous. Je vous présente un nouveau jeu indépendant qui m'a attiré par son côté cartoon et son univers numérique. Ce jeu s'appelle Indicalypse. Il est dans le genre humour noir, satirique, pointé et cliqué moderne où l'on se déplace pour interagir avec des objets ou des personnages. Vous ne trouverez aucun objet à ramasser ou encore aucun puzzle à énigme à résoudre. Il est sorti le 29 mai 2020. Il a été développé et édité par Gendusoft, le studio indépendant espagnol. Il est disponible sur PC, PS4, Xbox One au prix de 13 €. Il contient la langue française en sous-titres uniquement. Concernant le synopsis, l'histoire se focalise sur un petit groupe de développeurs indépendants, trois histoires, trois parias, trois geeks qui luttent faisant face aux difficultés pour réussir à créer un jeu vidéo. Il faut savoir que ce jeu incorpore plus de 25 mini-jeux et pour la grande majorité, les développeurs se sont inspirés de célèbres jeux indépendants. Ce jeu contiendra un total de 35 trophées, 7 en or, 27 en bronze et plus de 4 trophées manquables. Sa note de difficulté est de 2 sur 20 et sa durée approximative pour le platiner est de plus de 2 heures, 3 heures ou plus selon votre dextérité à maîtriser les mini-jeux qui sont au nombre de 25. Je vous mets en lumière d'être attentionné car sachez qu'il n'y a pas d'option de sélection de chapitre même en finissant le jeu. Donc si vous avez loupé quelque chose lié au trophée, il faudra redémarrer une nouvelle partie et recommencer le jeu à zéro. Ou bien recommencer le chapitre dans lequel vous êtes lorsque vous avez perdu le trophée. L'acheminement des trophées se présenteront ainsi. Il faudra jouer et réussir tous les mini-jeux qui sont au nombre de 25, sauf deux, qui donnent la possibilité de les quitter. Deux mini-jeux peuvent être frustrants et demanderont plusieurs essais avant d'y arriver. Le reste des mini-jeux sont plutôt simples. Je vous mets en garde aussi sur ce jeu qui contient des obscénités et de la violence à coups de meurtre. Ce jeu est recommandé aux plus de 16 ans. Il est classé dans la catégorie PEGI 16. Il contient donc un langage grossier et de la violence. On va lancer le jeu tout de suite en appuyant sur une touche. On peut apercevoir qu'on a la possibilité de voir mini-jeux. Et donc là, vous pouvez avoir un aperçu des trophées qui sont liés à tous ces mini-jeux que vous avez peut-être loupés. S'il n'y a pas de capture d'écran du jeu et qu'il y a encore ce cadenas verrouillé, ça veut dire que vous avez loupé le trophée. Donc le mini-jeu qui est lié au trophée. Voilà, donc il y en a 25. On va lancer, on va démarrer. Jouer. Nouveau jeu. On ne peut pas passer les cinématiques, nous sommes obligés de les regarder. Une petite dédicace et un hommage à Hideo Kojima. Qui est bien sûr le créateur de Metal Gear Solid 1 que j'ai pu découvrir et qui reste l'un des jeux les plus mémorables de tous les temps pour moi, que j'ai joué sur PlayStation 1. J'espère qu'un jour il y aura un remake de ce jeu sur les consoles à venir. Je vous le recommande si vous avez une PS Vita, vous pouvez le rejouer. Voilà, donc là il est en train de se réveiller. Il est 8 h du matin, il va sûrement aller en cours. Petite affiche, devient le meilleur programmeur de jeux vidéo à jamais. Donc là, il semble être totalement intéressé. Donc son destin est en train de se créer à cause de cette affiche. Chapitre 1, le jour de l'examen. Je passe les dialogues, je ne les lis pas, donc j'appuie sur croix. Quelle heure est-il? Quel jour, quel mois, quelle année? Donc là, il se trouve dans sa classe. Ce personnage lui dit de d'écarpir de cette salle comme il est en train de faire le ménage.
Il a dit d'accord, je m'en vais, je dois arriver à l'examen avant qu'il soit trop tard, donc on va y aller. Allez, en cours de programmation, si on appuie sur triangle, hop, il y a une petite feuille qui apparaît, qui nous dit le cheminement, l'objectif en cours. Allez, en cours de programmation, donc on y va, on va quitter la classe en allant par la porte. On va aller tout de suite à gauche. Il va avoir oublié son glavier. Donc on va L'arrêt, devoir arrêt, retourner. on est Donc on où là? interagit avec la porte. Cours de programmation. Attends, j'ai besoin de mon glavier pour l'examen. Donc on va trouver son glavier qui est dans le L'autre est casier, là, ici, juste ici. l'autre est Son là. casier de Jacques. Voilà, donc là il a récupéré son casier. Il a récupéré son glavier. Donc là il parle d'une photo de Fideo, qui bien sûr c'est Vidéo Kojima. Le créateur de Metal Gear Solid. Il a sorti son premier studio maintenant avec le jeu Stranding. J'ai pas encore testé ce jeu, mais ça ne risque de pas trop tarder. Hein. Il est dans ma liste des jeux à jouer à venir. Voilà, donc là, le professeur s'appelle Hoy Pepin. Important, le Pepin. Vous êtes en retard, monsieur Jackson. Vous avez 20 minutes pour passer l'examen. Donc je passe les dialogues, hein, Je passe tout ce qu'ils disent. On va aller s'asseoir. On n'a pas besoin de parler au personnage. On va prendre sa place en troisième position. Et là, premier trophée qui va tomber lié à un premier mini-jeu. Il faut à tout prix réussir ce mini-jeu. Non, pas vraiment, mais essayer au moins d'avoir 60%. Donc voilà, donc là, il nous montre, vous aurez des couleurs en haut et il faut lier chaque couleur avec chaque bouton. Dès que vous appuierez sur le bon bouton avec la bonne couleur, le bon mot avec le fond en couleur, et ben c'est bon. Voilà, donc là on peut voir que la couleur doit être complètement sur le bouton pour pouvoir interagir avec. Et hop, il nous indique parfait, parce qu'on a appuyé au bon moment lorsque le mot en fond de couleur correspond au bon bouton, au bon moment. Donc on va y aller. Voilà, donc il y a le vert en triangle. Donc là, je vais faire hop. Donc là, j'ai pas bien fait. Il faut que s'il y ait marqué perfect. Hein. S'il n'y a pas marqué parfait, ça veut dire que je n'ai pas appuyé au bon moment précis. Donc là, c'est pas bon. Pour le moment, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà, perfect. Donc j'appuie au bon moment la couleur qui est bien sur le bouton. Hein. Pas appuyer trop tôt ni trop tard. Et voilà, je me gourre. Allez, on va prendre un tout petit peu son temps, mais pas trop non plus. Voilà, là j'ai que du perfect. Enfin, un petit peu. J'appuie un peu trop tôt, des moments c'est pas bon. Hein. Ouais, là j'ai complètement loupé. Alors voyons ça, j'ai fait 41 ratés et un combo. Donc c'est bon, bah j'ai réussi hein, le passage de l'examen. Fuck hier, ça veut dire que c'est bon. Tu as été assez moyen, assez pour passer. Voilà, dès que vous avez le mot en fond qui correspond au bouton, vous appuyez dessus lorsqu'il est sur le bouton. Et puis il y aura marqué perfect. S'il n'y a pas marqué perfect, c'est que vous n'avez pas appuyé au bon moment. Donc, c'est fini. Retirez vos doigts de vos claviers. Vous aurez vos notes après la pause. Donc, après la pause, c'est qu'on va aller à la cafétéria. Et ensuite, il faudra revenir ici. On va aller débloquer un trophée qui est lié aux toilettes. Il faut tout simplement que Jacques se mette à boire de l'eau auprès de la fontaine dans le couloir. Voilà, donc on va aller boire de l'eau juste ici pour débloquer un trophée. Voilà, il a bu l'eau, maintenant on va aller aux toilettes pour qu'il libère sa vessie.
Alors, on va aller tout de suite Tu as relevé interagir le avec le niveau. deuxième toilette, ici, pour faire tomber le trophée. Alors, là, vous pouvez perdre, ce n'est pas un problème. Par contre, vous ne pouvez pas quitter le jeu, hein, il faut le finir. Donc, c'est très simple, il y a la barre de vessie, de pipi. Hop, on essaie de toucher les mains avec le joystick gauche. On essaie de graduer la hauteur du pupille avec le joystick gauche en allant vers le haut ou le bas. Bon, il a fini, hein. C'est la fin, j'ai été nulle, mais bon, pas propre tout ça. Voilà, on peut voir que le jeu s'est terminé, on passe à la suite de l'aventure, donc ce n'est pas très compliqué. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la cafétéria, on va parler à des élèves pour faire tomber un trophée. On y va. La cafétéria, elle se trouve tout à droite, près du cours de script. Alors, donc, on va parler directement à ce personnage super musclé de son débardeur de couleur verte pour faire tomber un trophée. C'est un jeu qui va être un tout petit peu long, parce qu'il faut essayer de trouver la sortie. Voilà, donc rien de bien compliqué. On a une arme, on tire sur les ennemis, on peut casser les objets. Il faut tout simplement rester en vie jusqu'à trouver la sortie. Allez, on y va. On tire avec la touche R2. Ah oui, il faut recharger aussi. Ne pas oublier de recharger avec carré. Donc là, il n'y a pas d'ennemi là. On va voir en haut. Non. Ok. On va monter en haut. Ah, j'ai perdu un peu de vie. Je vais aller récupérer de la vie. Ah non, c'est fermé, donc il y a encore un ennemi. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a encore des petits méchants. Pas qu'il est bloqué, lui. Oh, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait dans le décor? Bon, bah, vous voyez, bah, il y a un bug. Il est bloqué, donc je vais devoir recommencer et relancer le jeu. Parce que j'ai beau tirer, bah, je n'arrive pas à l'atteindre. Et les portes sont fermées. Ouais, c'est fermé, donc je vais recommencer. Donc on va aller à droite. Faut pas oublier de recharger, sinon lui il va libérer des petites bestioles dans sa bouche. On va monter en haut. Le cœur pour le moment, j'en ai pas besoin. J'espère qu'ils vont pas être bloqués dans le décor encore. Hop, on recharge. Donc on va aller où? On va aller à gauche. J'ai joué qu'une fois à ce jeu, les amis. Pas beaucoup de fois,
Donc ma mémoire est plutôt frais, hein. C'était il y a pas longtemps que j'ai joué sur mon premier compte principal. Mais je ne connais pas par cœur la sortie, donc j'essaie de découvrir en même temps que vous tout en faisant un speedrun. Voilà, ici il n'y a rien du tout, donc il fallait pas venir ici. On va descendre, on va aller à gauche. Il y a quoi en haut ici? Ouais, non, on est déjà venu. Donc voilà, donc des moments, bah, il y a des pièces qui sont complètement vides, il s'y passe rien du tout. Hein. Donc là, j'ai un super pouvoir, couleur bleue. Hein. Ça tue les ennemis en un coup. Hein. Allez, on recharge. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de porte. J'aurais dû aller récupérer le cœur, mais pour le moment, je pense que ça va aller. Non, ça va pas le faire. Donc, faut que j'aille retourner récupérer le cœur. Parce que ça va être compliqué. Ok, parfait. Je l'ai eu du premier coup. Lui aussi, hein, ça va être la même chose. Alors, on va monter en haut. Oula, j'ai pas dû peut-être venir ici. Ah, mais non, flûte! Allez, 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 je peux le faire. Voilà, c'est fait. Je suis venue ici. Ah, heureusement, ils m'ont donné un cœur, c'est très bien. Alors, où dois-je aller? Faut trouver la sortie, tout simplement. Donc, faut jouer. Ah, flûte. Donc il n'y a rien ici. En bas non plus. On va aller à gauche. On va redescendre. C'est bien ça. Quand on voit des nouveaux ennemis, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et que c'est le bon endroit où il faut aller. Donc là, il n'y a rien. Il faut sûrement descendre en bas. Tout se ressemble dans ce jeu, donc c'est difficile de savoir la sortie. Bah la voilà, elle est là, donc c'est parfait, j'ai réussi. Je viens de terminer ce petit jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le professeur maintenant. Œil de Pinte. Je me demande pourquoi je n'ai pas d'amis. Parler à Œil de Pinte. Pour obtenir ta note d'examen. Donc on va y aller. C'était dans la cour de programmation. Ici. VC. Voilà, cours de programmation. On va parler à son professeur. Votre 20 sur 20, haha, dans le bureau du principal, vous avez eu 2. Je ne peux pas dire que ça me surprend, monsieur Jackson. Je n'ai jamais attendu grand-chose de lui. Donc là, il vient d'apprendre que Pete, qui était un élève à côté de lui, bah, ils ont triché tous les deux. Trouver Pete et avoir une conversation avec lui. Donc on va aller dans la salle de script. Il s'y trouve. Voilà, donc malheureusement, son camarade a triché sur lui. Donc lui a impacté sur sa note. Et il veut avoir sa vengeance. Ou essayer de connaître et de comprendre pourquoi. Donc on appuie sur triangle. Je vous l'ai dit que c'était un jeu un petit peu violent.
Voilà, donc là on vient d'apprendre que par le haut-parleur que monsieur le principal cherche à rencontrer Jacques Jackson. Allez, on y va, on va essayer de devancer Pete. Donc le proviseur cherche à parler avec Jacques uniquement par rapport à la triche de son examen et non par rapport à ce qu'il vient de faire, là, le meurtre de Jacques. Enfin, il l'a pas tué, hein, il l'a tout simplement blessé. Gravement blessé. Voilà un nouveau jeu qui est lié à la salle du proviseur. Donc c'est simple, il faut tout simplement battre les ennemis en appuyant sur R2 et essayer de trouver la porte du boss. A chaque fois il y a une porte, mais il faut qu'il y ait une porte de boss. Ah mais elle me saoule la mouche là. Ils m'ont donné un cœur, parfait. Voilà, à gauche. Voilà, pas compliqué, il faut survivre et essayer de garder un maximum sa barre de vie pour combattre le boss final. Donc là, le cœur, j'en ai pas besoin. Donc ok, je suis déjà venu ici. On va aller un peu à droite. Voilà, la porte du boss est là, juste en bas, donc pour... il faut le vaincre. Donc moi je vous conseille de faire le tour comme ça, plus simple. De ne pas s'approcher de lui, de rester le plus loin possible et de continuer à faire des ronds tout en tirant. Donc vous maintenez la touche R2 en faisant des tirs et vous faites des ronds. Et petit à petit, sa barre de vie finit par diminuer. Voilà, donc là pour le moment je tiens bien le coup, il n'arrive pas trop à me toucher. Il faut aussi tirer sur sa tête hein, avec son œil et son corps, bah, les deux en fait. Voilà, donc quand on fait des cercles comme ça, je trouve que c'est bien. Ah, j'ai tué sa tête en premier, donc c'est très bien, j'ai réussi, le trophée est tombé, donc on vient de terminer ce mini-jeu. Donc là, on va apprendre qu'il a été viré, qu'il va devenir autodidacte et qu'il va ensuite rentrer chez lui. Et ce sera le début du chapitre 2. Donc on va proposer jouer à E.T. l'extraterrestre. Voilà la fin du chapitre 1, on débute le début du chapitre 2. Voilà, donc il s'est fait expulser, virer de son lycée. Il va être autodidacte.
Voilà, donc là, il y a un autre petit jeu où il y a un chien qui va nous pourchasser. Voilà, on vient de finir le chapitre 1. On va commencer le chapitre 2. On continue. Donc voilà, il y a un nouveau trophée avec un chien qui va courir derrière Jacques. C'est très simple, il faudra éviter les obstacles en sautant ou en s'accroupissant, tout simplement. Rien de bien compliqué. Puis en plus, il y a la ligne d'arrivée en haut, donc ça c'est génial, on peut la voir. Hop, on saute, on appuie sur croix. On saute, on appuie sur croix. Hop, non. Donc on a le droit à quelques erreurs, mais par contre le chien est en train de nous rattraper. Ouais, on va recommencer. Allez, allez, j'étais pas encore dans le bain. Là, c'est bon, j'y suis. On court, on appuie sur croix dès qu'on peut pour sauter. Mais non, mais pourquoi il fait n'importe quoi? Ok, j'ai compris. En fait, j'étais en train de toucher au joystick droit. Alors, il ne faut pas toucher au joystick droit. On descend, on saute. Ah, le petit caca. Donc là, le but est d'éviter les obstacles. Donc on s'accroupit dès qu'il y a une flèche qui dit aller vers le bas. On saute quand des obstacles sont sur la route. Et puis c'est tout. Donc on appuie uniquement sur croix pour sauter au bon moment. Et on appuie sur le joystick bas quand un obstacle nous dit de s'accroupir. Hop, on saute. Ah, flûte! Et tu crois qu'il y a encore un caca là après? Ah, c'est bon, il a atteint sa maison. Il y a un autre trophée encore une fois, tout de suite. Un trophée qui est plutôt marrant. Être sincère, hein. Voilà. Voilà donc petit trophée lié au combat entre son père et son fils. Mortal Kombat, j'adore Mortal Kombat. Les jeux de combat, je suis une grande fan depuis toujours grâce à Tekken sur PlayStation 1 que j'ai connu. Donc voilà, donc dès qu'il y a un signe en haut, il faut aller vers le bas avec la flèche directionnelle. Hop, là on monte dès que le signal est en bas, dès que le signal est en haut. Hop, donc là j'appuie sur... J'ai été un peu trop lente. Hop, je m'accroupis dès que le signal est en haut. Hop, je me lève dès que le signal est en bas. Hop, je me lève encore. J'ai gagné. Donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement aller chercher une bouteille pour son père, énergisante, parce qu'il est épuisé, il a besoin d'énergie. Donc on va monter à l'étage. Pourquoi il est bloqué là? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il est bloqué contre le décor. Non, c'est bon. Donc on monte à l'étage, on va aller en haut. Go! On doit monter en haut. On va aller lui apporter un Coca-Cola qui est dans sa chambre. Hop, chambre de Jacques, le coca est sur sa table. Voilà, on récupère le coca sur la table, Roca-Cola, et on va aller le donner à son père. On va voir le PC
Il manque le câble d'alimentation, il faut interagir avec le PC. Et maintenant, on a deux Ah oui, mais là, objectifs déverrouillés. Donc, il faut récupérer un câble d'alimentation. Pour ça, il faudra aller dans la chambre de son frère qui est juste à droite, en sortant de sa chambre de Jacques. On descend, on va aller donner le coca à son père. On lui donne. Voilà. On vient de déverrouiller une action qui vient de se finir. Donc, bien sûr, le coca est périmé. Son père a fait une intoxication alimentaire. Il est parti aux toilettes. Maintenant, il nous faut le câble d'alimentation pour qu'il puisse allumer son PC et vérifier son site internet. Si on appuie sur triangle, il est marqué apporter un soda à papa. Apporter le soda à papa, c'est fait. Trouver le câble d'alimentation qui est dans la chambre de son frère Pat. Donc, on va y aller. Donc on y va, on interagit avec le câble. Impossible, c'est coincé entre mes bourrelets. Donc on va parler à son frère. C'est marrant comment il parle. Il n'y a même pas d'audio en fait. Il n'y a aucune lecture. Voilà, on va aller nourrir son frère. Donc on va aller dans la cuisine, on va aller voir sa mère. On y va, on va discuter avec sa maman dans la cuisine. Hop, on descend, on va au rez-de-chaussée. Hop, on discute avec sa petite maman. Voilà, parlez, mon chéri, peux-tu apporter ce sandwich à pâtes? C'est du pain complet, tu sais qu'il est au régime. Et moi, j'ai faim aussi, tu pourras manger ses restes s'il y en a. C'est tellement humiliant. Et voilà, donc il vient de tomber, et il a fait tomber, bien sûr, la nourriture au sol. Donc, il y a un mini-jeu maintenant. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est de positionner tous ces ingrédients qui sont tombés à la bonne place. Il suffit tout simplement d'orienter l'aliment dans la bonne position. Une fois que c'est validé, le bruit se fera entendre et il faudra récupérer les autres aliments et les remettre sur le sandwich. Donc on prend ceci, on appuie sur la croix, on tourne avec le joystick. Non, 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 toi tu restes là. Voilà, c'est positionné à sa place, c'est parfait. Il faut trouver la place et il faut le faire tourner. Donc là, il n'y a aucun bruit qui se fait entendre. Donc je vais changer. Hop, ça se met ici. Non, 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 non. Oh, mais non! Oh, c'est trop tard, game over. Ils ont sorti l'aliment de l'écran, donc. Donc voilà, donc j'ai perdu. Les insectes vont vous empêcher de poser tout ça. Donc moi, je vais les mettre ici. Donc ça, il est où hein? C'est où sa place? C'est ici. Oh, c'était moi une. Voilà, donc le bruit s'est fait entendre. Donc ça veut dire que c'est ici.
Voilà, ça c'est bon, c'est ici. Ça va où ça? Ok, donc ils ont un peu le temps. Hop, c'est bon, c'est mis à sa place. Ça, c'est ici, mais il est mal positionné. Vite, 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 vite. Ça va où ça? Si. Ah, c'est bon. Ouf, c'était chaud. Ça se met ici, il y a un bruit qui se fait entendre. Ça va où? Il positionne tout seul, hein. Dès que vous mettez l'ingrédient sur l'assiette, il trouve l'emplacement tout seul. Donc là, le bruit s'est fait, il en manque plus que deux ingrédients, la tomate. Donc ça, je l'avais pas posé, donc ils sont en train de me le prendre. Voilà, il manque plus que la tomate et ils ont fini. Donc je vous explique. Prenez l'ingrédient avec la touche croix, hein, vous le ramassez, vous le posez là où il doit être. Il va y avoir des flèches directionnelles qui vont dire c'est ici et il n'y a plus qu'à tourner avec la touche directionnelle. Bon, maintenant il faut monter aller donner le plat à son frère pour récupérer le câble. On y va, on monte en haut. Deuxième chambre du milieu. Voilà, donc maintenant on va donner le plat à son frère, on lui parle. Hop. Donc c'est bon, il a mangé son sandwich. Maintenant, il va perdre du poids et on pourra récupérer le câble sous son corps. Voilà, il a récupéré son câble. On va aller dans la chambre. Donc on retourne dans la chambre de Jacques. On va aller modérer son site internet. Donc on y va, on va interagir avec son PC ici et votre PC 4chan, bien sûr, qui fait référence au site 4chan, qui est très connu. Allez au lit, et là il y a un trophée lié. Un mini-jeu qui est plutôt un tout petit peu pas difficile, mais qui va être un petit peu prenant dans la durée. Il faut faire un sans faute, vous allez voir. Je vous conseille de regarder au bout de votre écran, tout à droite, pour réussir. Donc mémorisez les emplacements, maîtrisez les sauts, soit vous sautez avec la touche croix, soit vous sautez avec la touche directionnelle. Moi, j'appuie sur croix, bien sûr. Hop. Pour le moment, c'est plutôt facile. On évite les pics, les cubes. Hop. J'appuie uniquement sur croix depuis tout à l'heure. Ça va être un peu vers la fin que ça va être compliqué. Hop, croix, plusieurs fois. Hop. Donc, ce jeu, je l'ai recommencé plusieurs fois. Hein. Je vous le cache pas. Donc là maintenant, soit vous volez avec la touche directionnelle un tout petit peu, soit vous appuyez sur croix. Hop, un tout petit peu sur croix, vous donnez des petits à-coups, hop comme ça. Ouh, c'était moins une. Donc là, je sais que ça va prendre de la hauteur. Voilà. Bon, moi, je suis contente, j'ai réussi. C'est pas fini, hein, il y a encore. Allez, faut pas que je rate ici parce que j'ai pas envie. Oh non, j'ai raté flûte. Il faut mourir zéro fois. Vous n'avez pas de chance. Aucun essai possible. Faut réussir du premier coup. Il n'y a pas de barre de vie en haut, hein.
Donc voilà, donc pour le moment c'est facile, c'est pas compliqué, on maîtrise en rejouant à force de mourir, on finit par maîtriser l'emplacement des cubes. Donc là c'est facile, c'est quand il commence à voler qu'il devient un sandwich. Donc soit vous utilisez la touche directionnelle, soit vous utilisez la touche croix. Moi personnellement j'utilise la touche croix, je donne des petits à-coups pour me mettre à voler. Donc là je sais que ça va commencer à prendre de la hauteur là. Hop, en troisième position. Et ici aussi, encore une fois. Voilà, parfait. C'est ici que je suis mort plusieurs fois. Donc là, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le cube. En appuyant plusieurs fois sur croix rapidement. Parce que là, ça va beaucoup plus vite là. Vous avez remarqué, mais le rythme est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Voilà, j'ai réussi. Eh ben, dis donc. Pas facile, hein, ce jeu, quand on commence pour la première fois. Prendre un petit déjeuner, donc on va aller voir sa maman dans la cuisine. Allez, on descend, on va tout en bas. Crois-tu aller, jeune homme? Prendre mon petit déjeuner? Certainement pas. J'ai perdu 4 kilos à cause d'un empoisonnement alimentaire dû au cola périmé que tu m'as donné. Ne t'en sens pas obligé de me remercier, tu as l'air plus en forme. Assez, va changer la couche de ton frère. Le pauvre garçon a du mal à contrôler son sphincter. C'est pas juste. Pourquoi est-ce à moi de m'occuper de lui? C'est lui l'aîné. Le docteur a dit qu'il traversait un moment difficile, un peu de respect. Ça fait 12 ans qu'il traverse un moment difficile, un jour je quitterai cette maison et cette famille. Je vous déteste tous, donc là il va aller s'occuper de son frère, son grand frère. Mais il va pas s'occuper de la meilleure des façons, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il va y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Donc, il va tout simplement aller tuer son frère. Je vous l'ai dit que c'est un peu gore ce jeu. La violence. On appuie sur rond plusieurs fois. Le joystick droit, c'est ça? Je sais même pas quel joystick, le gauche ou le droit. Ouais, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit partir d'ici. Il y a marqué en appui sur triangle. C'est la fin du chapitre 2. Donc voilà, c'est la fin du chapitre 2. Il va commencer le chapitre 3 tout de suite. Allez, on commence le chapitre 3. Péril. Alors, on va faire tomber un trophée lié à ce grand-père. Vous vous demandez sûrement ce qu'un garçon comme moi fait dans un endroit pareil. Moi aussi. Après être parti de chez mes parents, j'ai passé du temps dans la rue. En fait, pas plus de 20 minutes, je fabriquais un piège à pigeons quand j'ai rencontré Monsieur Frenstenberg. Donc, je vais passer tous les dialogues. Il a besoin de son shampoing.
Donc il demande à faire son bain. Il veut qu'il le lave. Sois un gentil garçon et apporte-moi mon shampoing. Donc en fait, on va accepter de bon cœur. Si vous refusez, vous louperez le trophée. Donc on va dire accepter de bon cœur. Vos demandes sont des ordres et de la musique à mes oreilles. Papli, papapla. Le shampoing est près de la cuisine, on le récupère. Hop. Voilà, donc ça commence. Le mini-jeu commence. Il faudra tout simplement laver la bonne personne. Pas vous tromper, il y aura deux autres papilles. Il faudra aller vite. Essayer de tenir le plus longtemps possible. Pour quitter le jeu, à un moment vous pourrez quitter le jeu et perdre, mais il faut quand même faire un score un peu élevé. Donc voilà, il y a deux papilles, donc celui qui est Frinstonsburg, c'est celui qui est au milieu. Donc pas celui qui est avec son chapeau, ni celui qui est avec ses lunettes, mais celui qui est au milieu sans chapeau ni lunettes. Donc voilà, donc on va se mettre à courir. En essayant de les laver. Donc là, ils nous disent correct. Faire attention au savon quand on se déplace pour ne pas glisser. Et faire attention aux flaques d'eau. Donc lui, il est là. Donc il faut qu'on sélectionne le papy concernant. Hein, avec qui Jacques vit. Hop, ça fait grimper des points. Faut pas se tromper. Hein. Ah, je me suis trompée. Ok, comment j'ai pu me tromper? N'importe quoi. Ah bah j'ai perdu, mais c'est pas grave, il s'avère que j'ai fait un score plutôt bien pour eux. Donc la suite de l'aventure s'est débloquée. Parfait. Donc voilà un nouveau mini-jeu. Il faudra associer les bonnes paires d'objets sur le visage de Monsieur Frittensberg. Donc on sélectionne ici avec les flèche directionnelle, on va mettre le petit bandeau bien sûr qui fait lier à Naruto. On va prendre
les lunettes. On va ensuite ajouter ceci et on valide avec check qui veut dire vérifier, valider en anglais. Quelque chose cloche, donc on peut voir que les lunettes sont éteintes en surbrillance en rouge, donc ce n'est pas bon, c'est pas le bon objet. On va mettre ça à la place, on valide. Un autre chef-d'œuvre signé Vincent. Donc tout est vert, toutes les couleurs des objets sont vertes, donc j'ai réussi. Donc là, il cherche à trouver du travail pour gagner le loyer. Donc il va sortir, on doit sortir de la maison par la porte. On va aller parler au SDF qui est dans la rue, qui est lié à un trophée. Tu auras pas une petite pièce, pourquoi faire? Tu ne payes pas de facture ni de loyer, tu es un homme libre. Libre, tu dis, tu mériterais que je me lève et que je te boute le cul. Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui, tu pourrais jouer à jet de dollars avec moi. Allez, on joue pour débloquer le trophée. On va s'approcher et on va interagir avec le gobelet au sol. Vous n'êtes pas obligé de gagner dans ce mini-jeu, vous pouvez perdre. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Hop, on appuie sur croix dès qu'on voit que la flèche correspond au bon endroit où on veut jeter le dollar. Et on appuie sur croix pour jeter le dollar. Donc là, hop, là, il est bien. J'ai jeté un peu trop fort en fait. Quand la flèche se balance un peu trop vers le haut, ça veut dire qu'il y a une force qui est un peu trop donnée. Comme ça, pareil, bon. Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de gagner dans ce jeu, donc on peut perdre, ce n'est pas un souci. Ok, j'ai perdu, donc c'est pas grave. On peut interagir ici avec les détritus, mais ce n'est pas lié. Allez, on va aller interagir avec lui, ce jeune homme-là. Parle avec l'homme canard, tout simplement pour faire tomber le trophée. Non, c'est après, c'est pas tout de suite. Je pensais que c'était tout de suite, donc... Parce que là... Tu veux de la magie? Est-ce que tu es censé être un homme sandwich? En fait, on va essayer de le faire virer pour prendre sa place. Donc on va rentrer dans le burger. Il recherche une offre d'emploi. On va aller parler au chef à la direction du burger. Donc on va parler à l'homme derrière le comptoir pour voir s'il peut nous embaucher. Demander un boulot. On appuie sur carré. Je viens de voir une affiche sur la porte. Donc il nous fait part qu'il faut que l'homme sandwich s'en aille s'il veut pouvoir recruter Jacques. Donc il dit que l'homme canard frappe des personnes et donc c'est pas bon. Et donc il a du mal à le virer parce qu'il est beaucoup plus fort que lui. Ok, donc on va se débarrasser de l'homme sandwich pour pouvoir prendre sa place.
T'es viré, c'est une blague, je te préviens, je suis pas d'humeur. J'ai besoin du boulot, mec. Tu dois partir avant qu'il m'embauche, alors va voir ailleurs si j'y suis. Partir, moi, ces trous du burger sont mal. Seule source de bonheur, je me sens vive quand je leur casse la gueule. Je suis un maître kung-fu et karaté, je peux attraper une mouche avec des baguettes. Prépare-toi. Donc là, on va débloquer un trophée. C'est un jeu de peu combat, il faut tout simplement esquiver ses attaques en allant à gauche, à droite ou en s'abaissant. Et bien sûr, en le frappant, lui donnant des coups, en espérant que sa barre de vie diminue. Plus on évite ses coups et plus on a une super bonus et une force, et on récupérera de la santé. Donc, j'appuie sur croix pour lui donner un coup de poing. Hop. Donc, dès qu'il fait son attaque, le canard, je me mets en retrait en appuyant sur la flèche directionnelle vers le bas. Je donne un coup, hop, je me remets tout de suite en retrait. Il va devenir de plus en plus fort à partir du deuxième round. Donc moi je cherche pas trop à l'attaquer parce que... Hop, oula, je vais vite me remettre au milieu. Non, je savais qu'il allait m'attaquer. Vite, cache-toi, Jacques. Parfait, vite, on redonne un petit coup de poing. On se remet en retrait. Donc là, il commence à faire ses petites attaques basiques, mais après, il va commencer à avoir des attaques beaucoup plus évoluées. Donc moi, ce que je fais, c'est je donne un coup, hop, et je me remets en retrait. Enfin, je prépare ma défense, quoi, tout simplement. Position de défense. Pas trop être gourmand parce que si on donne deux coups d'affilée, on risque de se blesser encore plus. Par l'ennemi, bien sûr. Allez, hop, tout de suite. En fait, dès qu'il fait son attaque, il faut lui donner un coup aussitôt parce qu'il a les mains levées. Là, hop, tout de suite, je vais lui donner. Ouais, là non, c'est pas possible. Là, hop, tout de suite, je vais lui redonner un coup. Il a les mains sans défense. Hop, là, je vais lui redonner un coup aussitôt. Non, il a été plus rapide, je vais recommencer. Voilà, j'ai été plus rapide que lui. Vous avez vu ma barre de vie en bas? C'est la barre de vie. Si jamais il me tue, j'aurai une barre beaucoup plus forte. Hop, tout de suite, je redonne un coup. Non. Donc là, je vais retourner lui redonner un coup. Allez, plus qu'un coup, il est pas mort parce qu'il y a trois rounds. Voilà, mais il va se relever. Round 2, normalement. Voilà, donc là, il est devenu beaucoup plus fort. Mais bon, sa barre de vie est faible. J'y vais doucement, là, j'essaie de comprendre ses coups. Hop, tout de suite, je me remets en retrait. Je vais attendre encore un peu. Voilà, donc là, je suis bientôt fini. Hop, je me cache. Attends encore un peu. Non! Vite, un coup.
Round 2, normalement ma barre de vie devrait augmenter si jamais il me met KO. Donc il y a encore un troisième round. Nathan qui se lève. Voilà, donc là il est vraiment à la ramasse. Et c'est fini. Donc on peut quitter maintenant le jeu, il faut vraiment le vaincre. C'est pas très difficile ce petit jeu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller informer la direction du burger, l'homme qui est derrière le comptoir, qu'on vient de vaincre l'homme canard. Peut appuyer sur triangle, se débarrasser de l'homme sandwich. Ok, il l'appelle ainsi. Et on va se retrouver derrière le comptoir. Voilà, on lui parle. Vous entendez le bruit des voix? Blou, 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 blou. C'est marrant. Blou, Voilà, un nouveau trophée lié, un nouveau mini-jeu. Donc là, il y a les instructions. Donc on a des règles, régulation, donc les règles. On a un menu à droite. Il faut ensuite prendre le ticket du client et le valider pour lui dire c'est ok ou va te faire voir. Et ensuite, on doit lui redonner son ticket lorsque l'on a validé. Et lui donner ce qu'il a demandé, un ketchup ou de la mayonnaise. Donc on y va, on attend que le suivant se présente. Donc voilà, donc il est là. Vous avez de la moutarde ou bien je vous la donne si vous me le donnez poliment. Aboula, on prend le ticket. Donc on vérifie les règles en bas à gauche. Il y a marqué quoi? On peut décaler. Vérifier les prix sur le menu. Donc l'eau du robinet est à 1,90. On va regarder sur le menu. 1,90, ça me paraît bon. La bière est à 1,90 aussi. Ouais, c'est bon. Burger à la viande 0,90. Ouais, c'est bon. Burger total léger 3,99 €. Bon, bah, tout est correct, donc on peut valider. Donc, on prend le ticket, on le positionne ici, on ouvre le tampon, on le positionne sur OK, hop, on valide, on lui donne. Et si vous ne vous souvenez plus de ce qu'il a demandé, on interagit avec le point d'interrogation ici, le bouton en bleu. Et il nous dit, vous avez de la moutarde. Donc on prend la moutarde avec la touche croix et on le lui donne. Tout va bien, donc c'est correct, on a réussi. Client suivant. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est ridicule, cette facture est fausse. Donc, on vérifie pour voir si les montants correspondent bien au menu. Donc, le burger au pain, 3,68 € pour l'instant, c'est bon. L'OBD, 1,90 € à la viande. Bah non, tout est correct, donc elle se fiche de nous. Burger à la viande 0,99 et puis la bière à 1,90. Donc tout est correct, donc on va lui dire fuck off. Allez hop, on lui donne son ticket. Je n'aime pas me faire avoir. Client suivant. J'aime bien, c'est sympa comme jeu. Donc on peut relire ce qu'il a dit. Vous m'avez surfacturé, donc on va vérifier pour voir si c'est vrai. Burger de poulet mariné 9 €. Burger à la viande 0 pour l'instant, c'est plutôt bon. Burger total léger, ouais, il a raison. Le burger total léger il est à 3,99 € et on lui a mis à 2 €. Burger de poulet mariné 9 €. Burger total léger 3,99 €. Par contre, on a fait une erreur sur le burger total léger. Ok, donc on va lui dire ok. On a eu une petite erreur, donc on met bien le ticket sur OK, on valide et on lui donne. Impeccable. Attention, violation de règles. Vous avez validé un bon avec un prix erroné. Ah bon? Vous êtes fait recaler en maths à l'école? Ben non. Ah oui, c'est vrai, il parle pas de nous donc. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas eu le temps de lire. Donnez-moi du ketchup, donc on va voir les règles, s'il n'y a pas une nouvelle règle. Non. Vérifier les prix sur le menu. Donc, lui, on va voir si c'est bon. Le burger léger, 3 €. Burger au pain, 3,69 €. Ça me paraît bien. Ok, ça me paraît plutôt bon. Et l'eau du robinet qui est à
Ok, bon, c'est correct. Donc, on valide et on va mettre sur... Ok, c'est quoi qu'il avait dit déjà? Donne-moi du ketchup. Donc, on va lui donner son ticket et le ketchup. Impeccable. Au suivant. Une nouvelle règle a été ajoutée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas eu le temps de lire. Voulez-vous bien vérifier? Vous m'avez clairement surfacturé, donc on va vérifier. Donc, la nouvelle règle, ne pas accepter les bons des jours précédents. Donc, nous sommes le 26-03, la date est du 26-03, c'est bon. Donc, on va regarder si on l'a surfacturé ou pas. Burger kebab, 5,50. De l'eau, qui est à combien? Oh, mais à chaque fois que je veux ramasser le... Je veux le décaler, il me le ferme. Le ticket, on va le décaler. Voilà, on peut comparer ici, c'est mieux. Kebab burger, 3, 5,50. L'eau, 1,90€. Totalement léger, 3,99€. Burger à la viande. Ah oui, effectivement, on lui a mis à 14€ alors qu'il est à 0,99€. Et le burger total léger qui est à 3€. C'est bon, il a complètement raison. On l'a surfacturé, donc c'est pas bon. Qu'on va tout simplement lui dire OK. Hop, on valide. Et on lui donne son ticket. Ça, on n'en a plus besoin, on peut le faire partir. Donc il y a une nouvelle règle, ne pas accepter les bons des jours précédents. Je pense que vous m'avez surfacturé. Laisse-moi voir. On va regarder son ticket. Donc la date correspond à la date d'aujourd'hui. On va mettre ça là. Le menu, on va l'ouvrir et on va essayer de le décaler ici. Alors, 90. Le burger au pain. Non, on ne l'a pas surfacturé là. Il s'avère que il a gagné des sous. Hein. Burger de poulet mariné 9,90. L'eau du robinet 1,90. Non, non, donc on l'a pas surfacturé, on l'a sous-facturé. Il a même gagné des sous, on peut l'apercevoir, le burger au pain, qui on lui a validé à 2,09 au lieu de 3. Donc on va lui dire fuck off. Hop. Qui veut tout simplement dire fous le camp. Attention, une nouvelle règle a été ajoutée, donc on regarde. Tous les commandes doivent être au menu. Ok. Donne-moi du ketchup, merci. Montre-moi ton ticket. On va mettre ça là, le ticket, on va le mettre juste ici. Alors, burger total léger, 3,99. Burger à la viande, c'est bon. Kebab burger. Burger de poulet mariné, c'est bon. Bière, 1,90. Bah, tout est bon. Et c'était quoi qu'il voulait déjà, lui? Donne-moi plus de ketchup. Ok, pas de souci. Tout est sur le menu, donc c'est parfait. On lui donne et on lui donne son ketchup en même temps. Tout va bien. Vous êtes incompétent. Vous m'avez surfacturé. Rendez-moi. Il a dit quoi? Rendez-moi la facture. Rendez-moi mon argent. Ok, on va mettre le ticket ici. On va comparer avec le menu. Alors, la bière qui est 1,90. Le burger souris pleine. Il est où? Ça n'existe même pas. Il est même pas dans le menu. Donc, il est déjà en train de se ficher de nous. Il nous parle d'un souris plein aux as alors que c'est lui qui a dû le rajouter au stylo. Donc, déjà, on voit que il nous ment. Donc, on va lui dire fuck off. Fous le camp, va te faire foutre. Excusez-moi du terme. Vous me prenez pour une truffe? Dégage de là. C'est marrant, j'aime bien ce petit jeu. Très sympa. Au suivant. Cette facture est fausse. Alors, voyons ça. On est le 26. On va voir si tous les plats sont au... Oh, mais j'arrive pas à le pousser à chaque fois, ce truc.
Alors, burger à la viande. Burger au pain, 3,68. Burger total léger, 3,99. Ben non, c'est bon. C'était quoi son problème à lui? Il nous ment, menteur. Tu te fiches de nous. Cette facture est parfaite. Fuck off. Vous essayez de m'enfler. Vous me prenez pour un. Oui, bonjour. Suivant. Je pense que vous m'avez surfacturé. Laisse-moi voir. Vous êtes vraiment des clowns. Je ne reviendrai plus jamais. Monte ton ticket. On va voir si on t'a surfacturé. On va prendre le menu et le poser à côté. Kebab burger 5,50, c'est parfait, c'est correct. Le burger au pain 3,68, c'est correct. Le burger de poulet mariné. Ouais, effectivement, on lui a mis à 10 euros au lieu de 9,99 €. Donc il a raison. L'eau. Est bon, donc tout le reste est bon, donc il a raison, c'est très bien. Ok, voilà, on lui donne le ticket, c'est impeccable. Attention, une nouvelle règle a été ajoutée, on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ne pas accepter les bons d'autres restaurants. Les réductions sont uniquement pour les clients avec une carte de membre ou un bon de réduction. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas eu le temps de lire. Je crois qu'il y a eu une erreur. Vous m'avez surfacturé. Ok. Donc, le bon, il vient bien de ce magasin. La date est correcte. L'eau, 1,90. Le kebab burger. On lui a sous-facturé le kebab burger. On lui a mis à 5,17 au lieu de 5,50. Le burger totalement léger, on l'a mis à 3. Il est bon. Le kebab burger. Bah non. Donc, fuck off. Fous le camp, tu te trompes et tu nous mens. Vous avez essayé de m'avoir. J'ai un bon de réduction, le voici. Donc, la règle disait quoi sur le bon déjà? Ne pas accepter les bons d'autres restaurants. Ok, donc là c'est le Burger Donald, c'est bon. J'ai un bon de réduction, le voici. Ok, mais je crois qu'il faut qu'elle ait sa carte de membre. Les réductions sont uniquement pour les clients avec une carte de membre ou un bon de réduction, mais elle nous a donné aucun document autre à part le ticket, donc on va lui dire fuck off. Il faut qu'elle ait une carte de membre, mais elle nous l'a pas donnée. Vous prenez pour une truffe, dégage de là. Votre bouffe est dégueulasse. Attention, une nouvelle règle a été ajoutée, on va aller voir ça tout de suite. Vérifiez les infos de la carte de membre. Ok. J'ai une réduction. Ah bon? Je dois vérifier. Et voilà. Donc là, il y a le ticket. Et il est où sa réduction? C'est tout? Il n'y a que ça? Il n'y a que le ticket. Donc non. Donc déjà, je vais lui dire fuck off. Il nous a pas donné de documents. Vous prenez pour une truffe. Normalement, il donne une carte. Carte de réduction de membre. Soit il donne un bon de réduction, mais il nous a rien donné. Je crois qu'il y a une erreur, mais surfacturé. Donc regardez-moi le logo, le magasin c'est Franc Bollywood, Bollywood hein, typiquement de l'Inde. Ah, vous avez vu? Donc là il y avait marqué quoi? Ne pas accepter les bons d'autres restaurants. Donc lui, en fait, il nous a donné un ticket qui vient d'ailleurs, parce que nous, on est burger, lui, il vient de Franc Bollywood. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Bollywood, c'est le nom donné à l'industrie du cinéma musical indien. Donc là, on va lui dire fuck off. Hop. Je n'avale pas vos salades, dégage, ou j'appelle la sécu. La sécu. Sécurité. Salut. Oui, ça va bien. Tu me dois de l'argent. Quoi? Faites-moi voir. Alors, voyons ça. Ouf, il n'y avait pas besoin de regarder le menu, hein. On voit les prix, hein. Qu'est-ce quel imbécile dépenserait autant dans un fast-food? Je n'ai pas dépensé une centime. J'ai dit que tu me devais de l'argent. Donc, de toute façon, il faut regarder la date, c'est correct. Le restaurant est bien le nôtre. Donc, il a raison. Ah, attends, il a un bon de réduction en plus. Ah, attends, j'ai pas vu son bon de réduction.
C'est impossible, nous ne faisons pas ce genre de réduction. Donc en fait là, c'est plus moi qui contrôle le jeu. On est arrivé à la fin. Donc normalement, ça n'existe pas du moins 110. Donc on peut dire fuck off s'il veut, hein, mais voilà, c'est fini. On vient de terminer ce petit jeu qui était très sympa, j'ai bien aimé, très changeant. Allez, personne magnifique. Tout le monde est magnifique. Bon, il est en train de faire la rencontre d'un second personnage, Ethan, qui est un programmeur, donc ils vont se lier ensemble. Je viens juste de démissionner pour me mettre à mon compte. Je mets en place une équipe créative pour participer à un game jam. Le prix est de 10 000 dollars, c'est exact. C'est la game jam auquel je vais participer. Nous devrions collaborer, unissons nos talents et cassons la baraque. Je viens juste de te rencontrer, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Si on gagne, comment on partage le prix? Bah bien sûr, 40-40, hein, pas photo, hein. Exactement, 10% pour les projets futurs. Ça me va, j'espère que tu n'essaies pas de m'escroquer. Ben non, ils sont tous les deux programmeurs, ils débutent ensemble. Moitié-moitié chacun. Une minute, je dois faire un truc avant de partir. Donc, c'est quoi? Il démissionne. Je démissionne, c'est fini. Tu peux te fourrer cet uniforme gras et puis en bien profond, je suis un homme libre. Toi, pas porter uniforme. Bien vu. Et voilà, le temps a défilé, ils ont vieilli. On peut voir que leur jeu n'a pas encore été encore mis en ligne. N'a pas vu le jour, malheureusement. Donc là, on vient de finir le nouveau chapitre. Il faut essayer de parler pour mettre fin au chapitre avec Ethan. On va montrer de l'intérêt à Ethan. C'est toujours important de s'intéresser à son ami. Voilà, on va commencer le chapitre 4, l'histoire d'Ethan. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas quitter ce chapitre tant que vous n'avez pas atteint le niveau 5. Sinon, vous perdez votre progression du niveau 4. Donc voilà, il faut finir entièrement chaque chapitre pour pouvoir quitter et fermer le jeu. Donc, normalement, vous devrez être à 44% des trophées tout de suite à l'instant. Donnez votre premier cours, donc on va y aller. Vous devrez avoir débloqué la majorité des trophées liés au mini-jeu dans la session menu. Quand vous allez dans mini-jeu, vous verrez, vous avez débloqué à peu près une dizaine de jeux. Réparer votre kitak. Ok. Donc pour le réparer, il faut tout simplement parler à ce jeune homme. Le casier derrière lui va tout simplement l'éjecter, le jeter par terre, le faire tomber ce jeune homme. Hop. On va interagir avec le casier de l'étudiant. Il a perdu une dent et on va aller ramasser cette dent pour son clavier musical.
Voilà. On va les récupérer. Voilà, ouvrez ce casier, c'est important pour tout à l'heure. On va aller dans la salle de classe. Non, il faut ouvrir. On va parler avec... On va aller voir son casier, il est pas là, son casier est juste ici, casier des étudiants. Normalement, il y a une sangle. Voilà, c'est bon, il a tous les accessoires pour réparer son casier. On peut aller donner notre premier cours, c'est prêt, allons-y. Un trophée va tomber tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Les enfants ont des t-shirts de couleur liés au clavier musical, aux notes. Donc, on a le jaune qui s'est mis à roter en premier. Non, je me suis complètement bourrée. Flûte! Donc, on a un deuxième essai. J'ai confondu les deux jaunes. Veuillez m'excuser. Donc, le jaune, il est tout à gauche, ici. Donc, en fait, ça fait bleu, bleu. Donc là, super facile, en fait. Comment j'ai pu me tromper, mais bon. Ok. Donc ça fait jaune. Deux fois. Une, deux. Le vert. Deux fois. Le jaune foncé. Deux fois. Et le vert. Une fois. Voilà. Il faut mémoriser les rotes. Les emplacements des couleurs. Ok, rouge, deux fois. Non, mais je voulais le rouge. Oui, oui. Donc on a un deuxième essai, hein, donc ça va, c'est bien. Ouais, ouais. Alors, il est où le rouge? Ça. Deux, violet. Deux, je crois que le bleu, c'était... Et puis, le jaune. Donc elle c'est trois fois, le bleu une fois, le violet deux fois. Ok, celui-là est un peu plus compliqué hein, pour mémoriser tout ça. Alors il y a le vert trois fois. Le bleu une fois. Le violet deux fois. Ouais, c'était quel violet hein? Non, c'est ça le violet, hein. Ça c'est du rouge, c'est ça le violet. Violet deux fois, bleu une fois, tout à droite, blanc deux fois, jaune foncé deux fois, et le vert une fois. Ouh, ça se complique de plus en plus. Si vous ratez, vous allez recommencer le jeu. Ce mini-jeu, bien sûr. Donc c'est vert une fois, jaune foncé une fois, vert une fois, le rouge avec la dent dessus, hein. Ça ressemble pas trop à du rouge, mais c'est du rouge. Le violet qui est à côté une fois, on retourne sur le rouge une fois, le vert une fois, le bleu une fois, le violet une fois, le rouge avec la dent une fois, le violet une fois, le rouge avec la dent une fois, le vert une fois. Normalement c'est fini, c'est bon, j'ai réussi, j'espère que vous réussirez du premier coup aussi. Alors, il faut aller voir le proviseur Mustaine, c'est lui, aller au bureau de la direction. Voilà, on y va, on rentre, on prend la porte en face en se retournant.
Il va nous demander un service qu'on va accepter. On va lui parler. Lui parler. Donc, il lui demande son fournisseur de médoc. Il travaille dans une allée derrière l'école. Donc, on va y aller. Obstourne est un mec sympa. Tu vas l'aimer, mon pote. C'était la bassiste Ultra Date. Série. Bref, je passe. Trouver les médocs. Est-ce que tu attends un autographe? Donc, on y va. On va aller chercher son médicament. Et on va faire tomber un trophée en même temps. Donc, il faut aller tout à gauche. Au fond du couloir. Il faut sortir de l'école, tout simplement. Et en même temps, on fera tomber un trophée. C'est la deuxième fois que je joue à ce jeu, donc excusez-moi si je fais quelques erreurs. Alors, on va lui parler. Hop. Là, on va y aller mollo. Je vais pas aller très vite. Hey, as-tu un problème, mon enfant? C'est vous le fournisseur de dev? Utilisez des guillemets et tu es un policier. On va lui dire non. Important de lui dire non. Hein. Sinon, on pourra pas faire tomber le trophée. Hein. J'ai l'air d'un policier. Je t'épargnerai ce dont tu as l'air. Bon, si dev t'envoie, il doit te faire confiance. Il m'a demandé de lui rapporter ses médocs. Arrête d'utiliser ces guillemets, je t'en supplie, je te donnerai volontiers les médocs. Bref, on peut passer. Normalement, il y a un trophée qui va tomber. Hein. On va commencer un mini-jeu. Voilà, donc on a de l'eau bénite avec un instrument. Il faut bénir les enfants. Donc on y va. On interagit avec les portes en appuyant sur croix. Il nous faut de l'eau. Donc là, on voit qu'il y a marqué Hater 10. Donc, faut pas donner beaucoup d'eau sur les enfants. Parce que sinon, vous allez en perdre beaucoup. Donc là, il y a un cœur, mais j'en ai pas besoin. Donc là, on a de l'eau bénite. Donc, c'est très bien. Je me retrouve avec 20 eaux bénites. Faut savoir que Water en anglais veut dire eau. Health veut dire santé. Donc là, on cherche les enfants. On appuie sur croix pour ouvrir la porte. Donc là, on donne un petit coup, un seul. Donc vous voyez, j'étais à 20, je suis passée à 19. Ne mettez pas 3 coups dessus, sinon vous allez en perdre et vous n'en aurez pas assez pour finir le jeu. Voilà, un petit coup, on se met bien face à eux. Hop, un petit coup, je suis passée à 18. Donc on continue. Voilà. Donc lui, il est un peu plus robuste que j'ai dû lui mettre deux hauts. J'ai récupéré de la santé, donc c'est cool. C'est quoi ça par terre? Il y a un cœur, mais j'en ai pas besoin. Donc voilà, on continue, c'est simple. On cherche les enfants, on les bénit. En appuyant sur la touche R2, on évite de mettre trop d'eau. Donc là, il y a des cœurs par terre si votre santé est faible. Moi non, ça va, je suis plutôt bien. Donc voilà. On appuie bien sur croix et on s'approche bien de la porte. Voilà, je suis passée de 13 à 12. Faut vraiment trouver l'eau bénite, sinon vous n'en aurez pas assez. Donc lui, il est robuste, hein, j'ai dû lui en mettre 2 gouttes. Il est tenace, il n'a pas envie d'être béni. Lui, en une fois, c'est fait. Donc là, il y a une porte. Allons voir ça. Je pense qu'on s'approche de la fin, non? Tout se ressemble dans ce mini-jeu. Hein. Je sais même pas où est la sortie. Hein. Ah, c'est bien. Dès qu'il y a des enfants, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc lui, il me donne des cœurs, merci. Hop, j'ai plus que 5 eaux. Bénite, donc là je vais en ramasser, il y en a un par terre, donc je me retrouve avec 15. Alors il faut aller. On va utiliser cette porte, on ne l'a pas encore utilisée. On se met bien devant dessus, hein, parce que sinon ça s'ouvre pas. Bon voilà, je suis un peu perdue, tout se ressemble. Je pense qu'on a fini. Hein.
On a béni tous les enfants, je pense. Donc je reviens un peu au début, parce que là, je sais plus où il faut aller. Donc cette porte, elle n'a pas été ouverte. On va le faire tout de suite. Voilà, bah c'est la fin, tant mieux. Donc faut ouvrir toutes les portes. Si vous avez plus d'eau bénite, il faut en trouver, il y en a par terre. Voilà, c'est fait, donc maintenant on n'a plus qu'à retourner voir le principal. Bon, c'est bon, il nous a donné notre médicament. Enfin, pas pour nous, hein, pour le moustin. Donc il nous a donné le médoc pour Moustel, le principal. On va retourner voir le proviseur, tout à droite, qu'on y va. Cette eau est importante, on utilisera après l'eau énergisante. Enfin, c'est pas de l'eau, hein, c'est de la boisson énergisante. Donc voilà, on discute avec lui, on va lui donner ses médicaments. Voilà, donc là il nous demande un service, apporte ses médocs à Lening, le cuistot, c'est le seul à savoir préparer ma tisane, juste comme j'aime. Donc il se trouve dans la cuisine, tout simplement. Donc on y va, on va aller dans la cuisine qui est juste à droite, tout de suite, sur notre droite. Alors, kitchen. Cuisine, il est marqué en anglais. On va lui parler, le cuistot, on lui parle. Lénine, qu'est-ce que ça peut te faire? T'es un flic, pas de doute. Vous êtes un membre d'Ultratets. Donc je passe un peu, puis après je pense qu'il va falloir lui dire la vérité sur ce que nous a raconté le principal. On va mettre rond. Dev vous a arnaqué. Donc là il va être en colère et il va vouloir aller voir le proviseur pour s'expliquer. Donc là, il est en colère, il va aller le voir. Ouais, donc maintenant, il va refuser de faire la tisane. Donc c'est nous qui allons faire la tisane, tout simplement, pour faire tomber le trophée. Le skate électrique, sympa ce truc. Jamais essayé. Je vois pas mal de gens utiliser ça de nos jours. Voilà, donc on va interagir avec le ketchup qui est sur la table. Donc il nous fait part qu'il ne trouve que le ketchup et le chimichurri, pas de power up. Où est-ce que je suis censé trouver du power up? Donc on va y aller, lui, tout simplement dans le casier, on l'a vu tout à l'heure sur le couloir. Voilà, juste ici, tout simplement, dans le casier, on voit une bouteille bleue, et ben on la récupère. La boisson préférée de l'Homo sapiens, ça sera utile pour la recette. Personnellement, je n'aime pas du tout ce genre de boisson, c'est bourré de sucre, je vous déconseille ce genre de boisson. Souvent utilisé par les gens qui font beaucoup de sport, puisqu'ils s'épuisent en termes d'énergie. Donc là, on va interagir avec la casserole. C'est parti, j'espère que mes proportions seront bonnes. Donc, là, il est en train de nous faire part d'un objectif que l'on va devoir faire. On va devoir mélanger tous ces produits, mais avec une dose de proportion précise, comme il le dit. Alors, on va prendre tout de suite le power, on appuie sur croix et on appuie sur R2 ou R1
Non, R2 pour le basculer vers la droite et L2 pour le rebasculer vers la gauche. Donc il sera toujours plein ce produit. Donc on va le remplir jusqu'au deuxième trait. Donc on y va. Il faut qu'il y ait marqué Delicious. Hop, là on arrête. Voilà, donc là on va le poser gentiment avec la touche croix. On va prendre le ketchup. Là on va prendre le. Enfin, vous pouvez prendre les deux, hein. Là, on va verser avec la touche R2. On va le mettre à moitié, pas beaucoup. Ça me paraît bon là. On va prendre le ketchup et on va faire 50-50 avec le chimichurri. Bon, là, on arrête. Non, encore un petit peu. Il faut que ce soit vraiment sur le trait. Voilà, dès qu'il y a marqué Delicious, c'est que c'est bon. Hein. C'est qu'on a réussi. Si vous n'avez pas eu Delicious, vous aurez une explosion. Et donc vous aurez fait un game over. Donc là maintenant il va falloir régulariser le taux de feu. Donc il faut appuyer sur croix et R2 et monter la température, mais en même temps il faut la diminuer. Il y a une barre qui augmente en bas. Donc on s'amuse avec le feu, on l'allume et on l'éteint. On fait du degré, hein. On va jusqu'à 25 et ensuite on diminue, on patiente un petit peu, on attend que ça se refroidisse. Parce qu'on voit que la gazinière est complètement vieille, mal entretenue. Donc elle peut exploser à tout moment. Donc on s'amuse, on fait ça, on prend son temps. De cette façon, la barre augmente petit à petit. Voilà, on attend, on diminue. Hop, je retourne un peu à 0 degré. Pas de risque, hein. Je patiente un peu. Il faut vraiment oser aller à fond parce que sinon la barre n'augmente pas. Donc là, je vais aller jusqu'à 30, sinon le pourcentage n'avance pas. Voilà, donc là, ça chauffe un peu trop, donc je vais attendre, je vais laisser refroidir. Ouh là là, vite, 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 ça va exploser. Non, 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 non. J'ai failli faire exploser. Vous avez vu la fumée? Donc là, je vais patienter un petit peu. Voilà, donc là, on va y aller. On va refaire chauffer un peu. Hop, je vais refroidir. Je vais refaire chauffer. Je refroidis. Je vais attendre un petit peu. Là, je vais refroidir encore. Faut être patient hein, dans ce jeu, hein. Faut pas aller trop vite. Hein. Sinon vous allez recommencer. Hein. On y arrive, on y arrive. On atteint bientôt les 100%, donc c'est parfait. Donc là, j'augmente un petit peu. Je vais rediminuer. Voilà, donc je fais croix, R2, L2. Tout le temps, je fais ça. Voilà, c'est bon, c'est fait. Delicious! Maintenant, il va aller donner. Il va aller donner le médoc préparé avec sa tisane au proviseur. Alors, on y va, on va lui donner. Hop. On va aller voir le proviseur. On va lui donner sa boisson avec sa tisane et ses médocs qui sont enfin. Donc on lui parle. De quoi avez-vous parlé tous les deux, mon pote? Où est-ce que je devrais t'appeler, papote? On va faire rond, lui donner la tisane. Tu es embauché, cool. Là, il y aura une petite cinématique. Le directeur qui va voir sa tisane. Donc là, on vient de finir le chapitre 4. On va enchaîner avec le chapitre 5.
Donc voilà, donc petite cinématique. Bien sûr, il va se faire virer comme Jacques, comme il raconte son histoire. Donc ne quittez pas, hein, parce que si vous quittez à cet instant précis, bah ce n'est pas possible, vous allez devoir recommencer le chapitre. Là, à ce moment présent, vous pouvez enfin quitter le chapitre. Donc là, on vient de terminer le chapitre 4, on va commencer le chapitre 5. Donc on y va, on va se retrouver dans la EA. En fait, ils sont en train de constater que bah, leur jeu n'arrive pas à voir le jour, hein. Des problèmes de violation de droits d'auteur, ce genre de choses. Donc là, on a la E4. C'est quoi la E4? Bon, je pense que vous, en tant que gamer, vous savez ce que c'est que la E3, l'Electronic Entertainment Expo. C'est un grand salon de jeux vidéo international, hein. Voilà. Voilà, c'est connu sous E3 et non E4, donc là, ils ne peuvent pas utiliser le terme. Question de droit d'auteur, donc ils sont obligés de dire E4. Donc, on va entrer dans ce salon. Donc, on va rencontrer d'autres joueurs. On va jouer à leur jeu pour faire tomber des trophées. Alors on avance, on peut parler à cet homme si vous souhaitez, mais il est lié à aucun trophée. Voilà, donc il voulait nous vendre un t-shirt, on a dit non, donc lui on va lui parler tout à l'heure, on va jouer à un de ses jeux. Il va falloir revenir parler à ce joueur également, pour un trophée, les deux là. Donc, et le troisième, non, Violette, non, mais pas liée à un jeu, elle. Donc on va parler à notre collègue, notre coéquipier. Donc ils ont un stand particulier, on peut voir, avec des grosses baffes. Comme il le dit, on dirait un concert. Je veux dire, jeu de tir. Allez, RPG tour par tour en hommage à Final Fantasy 7 et 8 qui sont mes favoris de tous les temps. Donc on va devoir discuter, donc on va tout simplement aller faire tomber un trophée en parlant à Jeune Doux Soft, pour lui parler, pour faire tomber un trophée. Voilà, donc le trophée est tombé tout de suite. Donc on va devoir jouer à celui-ci, on va commencer par aller tout à gauche et jouer au premier jeu, hein. Ici. Lui. On va parler à ce Rastafos. On va jouer à son jeu, mais vous devez dire oui. Hein. Ok, donc il n'est pas encore prêt, on va jouer après avec lui. Donc on va commencer on va parler à Violette. Non, allez, on va parler à lui pour voir ce qu'il dit. Wesh, tu serais pas le célèbre youtubeur, celui avec les milliers de millions d'abonnés. Ok, donc lui ne propose pas son jeu tout de suite, donc ça va être après. On va parler à Violette. Donc oui, il faut commencer par parler à Violette en premier, ici. Et ensuite, on pourra discuter avec les autres joueurs. Est-ce que tu vas bien? Lo,
Ok, donc là on va aller lui parler pour voir si on peut enfin jouer à son jeu tout de suite. Voilà, donc là il nous le demande. Alors, tu veux essayer mon jeu? Ton jeu, t'as fait un jeu? Je ne savais pas que tu étais dans la programmation. Non, non, je fais juste la promo du jeu. Je fais d'autres trucs, tu sais, genre, tu sais. On va mettre quoi? Être un modèle. Ne pas suivre pour des millions d'enfants dans le monde, c'est ça ton truc? Il n'y a même pas joué. Tu veux tenter de me dire ce que tu en penses? Allez, on va jouer à son jeu. Voilà, le trophée va tomber, donc il faudra... On va contrôler un petit dinosaure. Il faut essayer d'atteindre le plus haut palier, la plateforme la plus haute. Et là, il y a marqué le score 499. Le nôtre est à 49, on va être à 0. Il faudra atteindre... Il faut dépasser le score, le high score, qui est à 499. Donc, il faut essayer d'atteindre 500. Donc, on y va. Donc là, à chaque fois qu'on passe de plateforme en plateforme, il y a le niveau en haut. On passe à 31, 32, 33, 40, 49. Faites attention parce que vous ne pouvez plus retomber en arrière. Hein. Si vous essayez de faire marche arrière, ça va pas être possible. Vous allez tomber. Et bien sûr, vous allez trouver des petites crottes qui vont vous empêcher de jouer. Donc faites très attention. Et voilà, je l'ai touché comme par hasard. Donc on va recommencer. Voilà, donc ce jeu peut être un peu frustrant. Vous pouvez réussir du premier coup. Ou bien recommencer plusieurs fois d'affilée. Donc voilà, donc il faut atteindre le score de 500 pour pouvoir quitter ce jeu. Vous ne pouvez pas le quitter, c'est impossible. Il faut réussir à aller le plus haut possible jusqu'à 500. En termes de score, il faut être en première position et battre ce score-là. Là, je suis à 119, mais il y a bien sûr des crottes qui vous empêchent de faire attention. Donc là, je suis bien montée, mais bon, faire attention. Voilà, donc là, il y avait une crotte, donc c'était moins une. Hein. Donc là, je vais éviter de monter sur la crotte parce que de monter sur la graine, j'ai peur de perdre en équilibre, de toucher le caca. Donc je vais continuer comme ça sans graine. Là, je suis à 375, c'est bien pour le moment, ça me paraît bon. Allez, plus qu'un petit peu. Non, 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 ouh, je voulais pas monter dessus en plus, hein, parce que je sais que si je monte dessus, j'ai peur qu'il y ait une crotte qui m'interrompt. Donc là, je vais prendre cette plateforme. Bon, bah voilà, j'ai dépassé le score, donc vous pouvez voir que je suis à 520, donc je peux mourir. Allez, on va se faire tuer. Je suis à 574. J'ai dépassé le score de 499. Donc, je suis en première position. Et le jeu, maintenant, est terminé. Donc, on continue. On va discuter avec d'autres créateurs de jeux vidéo. On va essayer leur jeu. Alors, t'as aimé le jeu? C'était cool ou bien... C'est la pire croûte à laquelle j'ai joué de toute ma vie. Je savais que t'étais un rageux. Quelqu'un a posté un commentaire comme ça sur l'une de mes vidéos. Tu veux savoir ma réponse? Ta haine est l'essence qui fait brûler ma nonchalance. Oui, ça fait mal. Critique de jeu est devenu un sport de l'extrême. Exactement. Donc lui, on n'a plus besoin de parler. Maintenant, on va aller un peu à gauche. On va aller discuter aux deux autres créateurs. On va parler à lui. Non, allez, on va parler à lui, ensuite on parlera à l'autre qui est à gauche. Est-ce que je peux essayer votre jeu? Oh, bien sûr, faites-vous plaisir. Attrape la manette, bienvenue à l'expérience. Petite référence à The Last of Us. Bon, alors, ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramasser des balles. On a le nombre de balles qui diminue dans la barre en bas. On a une barre de vie qui est à 100.
Et il faut tout simplement faire pleurer ses enfants. Donc on leur jette des balles. Il faut qu'ils se mettent à pleurer. Voilà, donc ils pleurent. Et on ramasse des balles avec la touche rond. Et l'encadré en bas augmente. Donc il faut tous les faire pleurer. Donc lui, vous voyez, il se met à pleurer. Il faut éviter qu'il nous touche parce qu'eux aussi, ils nous jettent des balles. Il me blesse. Vite, j'ai plus de balles. Vite, essayez d'en retrouver. Bon, allez, parce que lui, il est en train de me toucher là. Il me fait du mal. Donc je vais essayer de fuir pour ne pas mourir. En fait, faut les prendre par surprise. Pas trop fun ce jeu, j'aime pas trop. Il faut pouvoir les toucher en premier. Donc lui, ils sont là-bas, ça fait trop loin. Ouais non, j'arrive pas, ils sont beaucoup trop loin, donc on va recommencer. On va ramasser des balles avec la touche carrée, donc on les prend par surprise. Non, j'ai pas réussi. En plus, je suis à 40 en barre de vie, donc... Bon, je pense que je vais devoir recommencer parce que là, je suis à 20% en termes de vie. Il y en a qu'un qui pleure. Voilà, donc le but de ce jeu est de faire pleurer tous ses enfants. Pas facile, puisqu'on a beau leur lancer des balles, ça marche pas. Regardez. Voilà, ça passe à travers lui, n'importe quoi. Lui, je vais l'attaquer. Non, bah non, ça marche pas. Incompréhensible, je comprends rien à ce jeu. Bizarre, il y en a un qui pleure, mais j'ai l'impression que on peut pas tous les toucher, donc peut-être qu'il y en a qu'un qu'il faut à tout prix donner des coups de balle. Peut-être c'est lui. Parce que j'ai beau le toucher, mais il pleure pas. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi. Bah voilà, j'ai réussi, j'ai rien compris à ce mini-jeu, mais alors rien compris. Je leur lance des balles. Ils sont invulnérables. Vous avez réussi à finir la démo. Heureusement que c'était une démo. Hein. Génial, dites-moi qu'avez-vous ressenti. Bah, je suis désolé, mais je veux dire, c'était à chier. Hein, mais... Critique, combo insensé, votre travail, vous n'êtes qu'une mode, un coup du marketing, votre jeu est nul. Ah, c'était honnête, j'apprécie beaucoup votre franchise. Maintenant, écoutez-moi bien, créateur amateur. Ton existence n'est pas triste en elle-même, ce qui est regrettable, c'est la façon dont tu perds le temps des malchanceux qui te connaissent. N'oublie pas de méditer. Salutations, non, certainement pas, non. Allez, on va parler à lui, en forme de peluche, pour faire tomber un trophée. Il est rigolo, j'aime bien comment il est fait, ce personnage. Eh, psst, par ici, gamin, tu veux essayer un jeu? Oui. Parle dans le micro devant toi. C'est Cliff Kuzinski. Rappelez-vous de ce prénom parce que après on va devoir l'utiliser. Bien essayé mon nouveau jeu, j'aimerais savoir ce que tu en penses, tu arrives à finir les démos. Vous savez à qui vous avez affaire, bougez pas, observez la légende en action. Donc il y a un trophée qui va tomber pour avoir essayé ce jeu. Voilà, donc il faut tout simplement ramasser les pièces pour gagner du temps.
précieuses minutes. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'incliner un petit peu le joystick vers le bas. Vous voyez, il fait une tête énervée quand vous l'inclinez. Donc là, hop, ses sourcils se froncent. Donc c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus vite. Donc on utilise le joystick un petit peu vers le bas, à droite. Donc voilà, donc petit premier niveau terminé. On continue. On fait en sorte qu'il fronce les sourcils plus qu'il aille plus vite. Il faut aller jusqu'au bout, donc ça va, ce mini-jeu est plutôt facile, pas difficile. Faut essayer d'atteindre le désert. Allez, 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 allez. En plus là j'ai plus beaucoup de temps, donc je sais pas s'il va me recommencer à zéro ou pas. Vite, 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 vite. Puis il n'y a même plus de pièces. Ah si, il y en a où là? C'était moins une, hein. Je viens de gagner des précieuses secondes. Voilà, il continue à froncer les sourcils, donc c'est parfait. Donc là, on est au niveau 3, dans le désert. C'est parfait. Allez, fronce les sourcils, sinon il va pas aller vite. En fait, on peut rien faire hein, dans ce jeu, il n'y a qu'une touche. Que les touches directionnelles pour contrôler le personnage. On doit aller jusqu'au bout. Hein. On est obligé de gagner. Hein. Sinon, vous ne pouvez pas passer ce jeu. Sinon, vous ne débloquerez pas le suite de l'aventure du jeu. Vite, 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 vite. Il n'y a même pas de pièces. Allez, fronce les sourcils. Ouf, il y en a ici. C'est parfait. Donc là, normalement, c'est bon. Ça devrait le faire. Allez, allez, fronce les sourcils. Parfait. Il est un peu long, ce niveau, dans le désert. Je pense que c'est bon, voilà, c'est bon, j'ai fini. C'était très rapide. On va aller parler à Violette. C'est un nouveau personnage, la jeune fille qui a des tics, malheureusement. Donc, on va aller parler à Violette. Bah, je sais pas quoi dire, hein. C'est un chef-d'œuvre, non, je suis encore émue, non, sa simplicité, sa plus grande vertu, non, le pire truc que j'ai vu depuis des années, hein. Voilà tout simplement, hein, je vais être honnête. Voilà, on a joué à tous les jeux du salon de la E3, hein, la E4, donc maintenant on n'a plus qu'à aller parler à la jeune fille pour aller faire... débloquer la suite de l'aventure, provoquer Violette en duel. Donc la voici, juste ici, c'est un nouveau personnage qui va rejoindre le groupe. Je suis prêt, c'est quoi la suite? T'es sûr? Tu n'as pas l'air prêt. J'ai jamais été aussi prêt de toute ma vie. Je vais écraser tous ceux qui se dressent sur ma route. Donc faut lui parler, bien sûr, après avoir débloqué tous les trophées des joueurs ici présents. Donc lui, on a déjà joué, on a joué. Allez, on y va, on fait go, on va tout à droite pour aller sur la scène. Donc là, il y a un clash, un battle d'argumentation. Donc ils s'affrontent tous les deux pour gagner le concours de la E4, je veux dire la E3. Donc ils sont interdits de se cracher dessus, hein. Après, montrez-nous ces argumentaires. Allez, c'est parti. Je viens d'essayer votre jeu musique de merde. Il porte bien son titre parce que votre jeu bip de chameau. Oh, la dame ne pèse pas ses mots. Voyons la réponse de son adversaire. Un concours d'argumentaires, quel mauvais goût. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous voir nous insulter. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Musique de merde est un jeu de merde. C'est celui qui dit qu'il est utilise la vulgarité de Cliff Kuzinski. Tout simplement, on va prendre le choix numéro 2. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. L'opinion du cross-relate reste sur la semelle de la chaussure. Génial, Jack Jackson a tout déchiré à son tour.
Donc voilà, c'est en vert, c'est parfait. Le public est heureux. On continue le clash d'argumentation. Ton jeu est un monument à l'ennui. Pleurer, je me fiche de ton opinion. Tu manques tellement de critères, on va faire tout simplement le choix numéro 4, être une connarde, comme Elmo Renus OMG. Choix numéro 4. Ta haine est l'essence qui fait brûler ma nonchalance. En fait, c'est des répliques qu'on a lues tout à l'heure. Ils essaient de jouer sur notre mémoire pour savoir si on se souvient de ce qu'on a lu. Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment cool comme on a tendance à passer souvent les... Tu ne seras jamais personne dans l'industrie du jeu vidéo. Bien sûr, on va faire le choix numéro 1, réponse Z de chez Novagen. Tout simplement parce que c'est des discussions que l'on a eues tout à l'heure avec les joueurs de jeux vidéo, les créateurs de jeux vidéo. Et c'est une façon de voir si on a lu les dialogues ou pas. Voilà, c'est terminé. Donc là, normalement, on devrait se retrouver avec Violette, un nouveau personnage, on devrait la contrôler. Alors, qui a gagné? Vient de nous envoyer un communiqué, comme par hasard, à la dernière minute, on voit qui a gagné le concours. A déjà un gagnant, vous vous rendez compte? A déjà un gagnant. On vient juste de commencer. Ça va être le youtubeur. Ah non, même pas. Colofra. Ce gars n'a même pas encore parlé. Applaudissez le digne gagnant. Aucune réclamation ne sera prise en compte. Les perdants doivent quitter la salle, le salon et les lieux le plus vite possible. Ah ouais, complètement. Vous vous rendez compte, le jeu Call of Duty, c'est le jeu avec les enfants qui pleuraient quand on leur jetait des balles. Horrible ce jeu. Donc je passe les dialogues. Je pense qu'on va débuter le nouveau chapitre. Chapitre 6 normalement. Oui, chapitre 6 qui débute. L'histoire de Violette, le nouveau personnage qu'on vient de rencontrer. Nous prenons le contrôle de celle-ci. Alors il y aura deux trophées avec les poubelles qu'on voit par terre à gauche. Il va falloir interagir avec les poubelles. Bon, je passe le dialogue. Aller au travail. Mais avant d'aller au travail, on va tout simplement interagir avec le sac de poubelle pour faire tomber le trophée. Donc on passe le dialogue et on va faire tuer quelques mouches. Il faut appuyer sur carré. Sinon, vous louperez ce trophée. Ce n'est pas le but, sinon vous allez devoir recommencer le jeu à zéro ou bien ce chapitre-ci. Alors, on nous dit qu'on a un viseur avec une croix et on va devoir tuer les mouches. Avec la touche R1 pour tirer. Les touches tuer s'afficheront en rouge et les mouches blanches sont celles qui resteront. Moi, je vous conseille de rester en haut. Donc on appuie sur croix pour tirer. Donc j'ai loupé. Oui mais si je viens de commencer. Moque-toi bien de moi. Donc moi je vous conseille de rester en haut. Voilà. Faut quand même... Vous pouvez en louper une hein, si vous voulez. Une ou deux. Est-ce qu'elle va sortir ici? Voilà, restez en haut, c'est préférable. Ne vous mettez pas ici, c'est pas bon, moi j'aime pas. Je préfère en haut.
plus simple. Ah, oh, comment j'ai pu louper ça, hein. Hop. Pour l'instant, j'en ai loupé qu'une. Sur 10, je pense qu'il y en a 10, hein. Je sais pas trop compter, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a 10, j'en ai loupé une pour le moment. Sur 9, il y a 3 runes. Oh, comment j'ai pu louper ça, hein. Et voilà, j'en ai loupé deux. Mais c'est pas grave, normalement, je devrais passer au round 2 quand même. C'est ok, voilà, c'est d'accord. C'est bon. Donc là, je suis au round 2. Il y a marqué ici R égale 2, round 2. Donc on peut en louper deux. Ou une. Je pense pas 3 que ça passe l'affaire. Hop. Pour le moment c'est bon, j'en ai. Pour le moment c'est bon, j'en ai loupé aucune. J'attends qu'elle soit en haut. C'est plus simple. Ça m'évite de chercher partout et d'être perturbé en allant à gauche et à droite. Ah mais comment j'ai pu louper ça, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois que du rouge pour le moment. Aucun raté. Mais bon, faut pas que je m'emballe trop vite. Parce qu'elle va sortir, elle. Et voilà, je vous l'ai dit. Ce mec de moi, lui. Hop. Bon, j'ai qu'un raté sur 8 pour le moment. 1 sur 9. Un raté sur 9. 9 réussis. Voilà, j'ai qu'un raté sur 10. Donc, c'est très bien. C'est d'accord. On passe au round 3. Il y a marqué R égale 3 ici. Pas difficile, hein, ce jeu, mini-jeu. Hop. C'est moi qui rigole de toi, la mouche. Ah, mais dis. Voilà, bon pour le moment j'ai bien réussi, j'en ai 6 de tuer. Flûte, flûte. Ouf, c'était moins une. J'en ai 7 sur 10, il en manque 3. J'en ai 8 sur 10, il en manque 2. Et j'en ai loupé aucune. 9. Ah, c'est parfait, je vais peut-être faire un sans faute. Et oui, j'ai fait un sans faute. Au round 3, perfect. Merci. Je pense que c'est la fin. Ah non, il y a encore un rune. Rune 4. Ok. Voilà, je vais attendre en haut, gentiment en haut. C'est la meilleure méthode. Ah, Midi, elle était simple en plus celle-ci. Je pense qu'il va sortir ici. Ah, je l'ai loupé. Oups. Yes. Moque-toi bien de moi. On verra qui rira le dernier. Donc, j'ai une faute pour le moment. Sur 5. Une sur 6 maintenant. Voilà. J'en ai loupé qu'une. Il en manque deux. Allez, plus qu'une. Et c'est la fin normalement. Est-ce que je vais la réussir ou pas? Oula. Oui. Voilà, j'ai fait une faute sur 10. C'est ok. Donc, est-ce qu'il y a encore un round? Eh oui, un round 5. Dis donc, il est plutôt bon celui-là. Hop. Ah, il va plus vite là. Beaucoup plus rapide. Il est vachement rapide là au round 5. Flûte.
Allez, allez, on se concentre. Voilà. Ah, il était rapide lui aussi, hein, mais je l'ai eu. Hein. Donc là, j'ai que deux fautes depuis tout à l'heure. Deux ratés, j'ai que deux ratés depuis tout à l'heure, donc c'est bon. Je pense qu'il n'y a que 5 rounds. Voilà, c'est bon. Plus que 3. Hop. Ah, je l'ai loupé. Hein. Ça fait 3 ratés. Allez, celle-ci, il faut vraiment que je la réussisse. Voilà, round 5. Et c'est ok, donc c'est fait. Donc j'espère qu'il n'y a pas un round 6. Non, il n'y en a pas. Donc c'est fini. Bah, c'était pas difficile. Hein. Donc là, maintenant, il faut qu'elle aille au travail. Donc on va tout simplement aller travailler. On utilise la porte. En passant, on prend la porte à gauche et on va aller débloquer un nouveau jeu, hein. Mini-jeu. Hein. On va s'occuper des chiens. Donc sa maison est sur sa droite, il y a marqué Miss. On prend la porte. Voilà, on discute avec son employeuse. Elle est en train de bosser tout de suite, Violette. Elle va s'occuper des chiens. S'occuper des chiens. Donc pour s'occuper des chiens, il faut aller tout de suite à la porte à gauche. Que les chiens, bah, il faut les nourrir avec des os. Il va falloir les nourrir et ramasser leurs petites crottes qu'ils font. Ok, donc on avance avec le flèche directionnel et on éjecte la nourriture avec la touche croix. Mais on fait attention, voilà, il y a des crottes et il faut nettoyer tout ça avant que les chats, les animaux ne viennent. Donc là, j'ai perdu un cœur tout simplement parce que le chien a marché dessus. Il faut pas qu'ils avalent les crottes, tout simplement qu'ils montent dessus. Oh, c'était moi une. Allez, on va leur donner beaucoup de nourriture pour qu'ils sortent un peu. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur croix hein, quand vous êtes près des crottes. Il suffit tout simplement de passer dessus. Voilà, on passe dessus. Hop, on passe dessus, on n'appuie pas sur croix. Vite, vite, les nourrir, vite, vite. Je suis à 4400, je crois qu'il faut aller jusqu'à 8000. Donc là, je pense qu'ils vont tous venir en plomb. Ouais, j'en étais sûr, les blagues qui arrivent. Et à force de leur donner à manger, ils font des petites crottes. Vite. Je suis perdue, je suis désolée. Allez, on recommence. Il faut atteindre le score de 8000. En faisant ça, ils ne vont pas sortir, mais on est obligé de ramasser leurs crottes. Voilà, donc il y a déjà des petites crottes ici. Vite. Hop. En fait, si vous êtes au milieu, vous appuyez sur croix et elle revient aussitôt. Hop, on appuie sur quoi elle redonne dès qu'elle est au milieu de l'écran. Hop.
Bon, pour le moment, ça m'a l'air d'être bon. Comme je vous ai dit, pas besoin de retourner tout en haut. Donc là, elle a fini le travail, donc on s'en va, on va aller retourner chez elle, voir son colocataire. Non, ici c'est le travail, il faut sortir près de la vitre, ici. Il faut sortir près de la vitrine, à droite. Qui êtes-vous? Je ne sais pas si vous connaissez Carmen San Diego. À la base, ce n'est pas du tout Sam Enstrou, c'est San Diego. J'ai joué à ce jeu quand j'étais adolescente au collège. Avec une amie, on aimait beaucoup aller à la bibliothèque pour lire des livres, mais également pour aller aux médias. Il y avait des ordinateurs, on pouvait jouer aux jeux vidéo. Donc on squattait le coin bibliothèque média pour jouer à des jeux. Et il y avait Carmen Sandiego. Vous n'oublierez jamais ce jeu. Donc Carmen Sandiego, c'est une voleuse. Elle vole énormément d'œuvres d'art à travers le monde. Et donc on est propulsé dans des mondes. Et on doit interroger des personnes pour la retrouver. Donc là voilà, donc là le monstru hein, qui fait référence bien sûr aux règles. Donc on reste au milieu, hein, les règles féminines. Donc là on fait face, on peut rester en haut, hein, ils vont pas nous toucher. En haut voilà, on reste là. Il faut vraiment ne pas perdre de vie hein, si vous voulez réussir. On reste au milieu. Donc là, on va combattre Carmen Sandiego à la fin du niveau. Carmen Monstru, ils l'ont renommée ainsi. C'est rigolo. Parce qu'elle est vêtue de rouge, c'est vrai, effectivement. Et sa couleur dans le jeu. Donc là, va nous lancer ses calendriers. Donc on appuie sur croix pour lui tirer dessus, mais il faut vraiment être agile là tout de suite. Hop, voilà, elle m'a loupé, elle va le refaire encore 2-3 fois. Hop, ah oui, il faut éviter aussi ses globules rouges. Non, flûte. Donc on n'oublie pas de... Elle va me relancer ses calendriers. Hop, je vais monter en haut. Hop, tout de suite, je prends de l'avance et je sais qu'il va y avoir... Ah, flûte. Vite, 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 vite. On tire. Calendrier, hop, je vais monter en haut. Je pense que c'est bon, là, ça va le faire. Et non, je suis morte. Flûte. Donc on a notre barre de vie en bas, HP3. Il faut tout simplement tirer avec la touche croix. Je prends un peu d'avance et je tire sur les globules. Comme ça, je suis tranquille. On évite ces obstacles. Voilà, je vais rester en haut, je vais prendre de l'avance en tirant sur l'ennemi, comme ça je suis tranquille encore une fois. Voilà, on va rester en haut, il ne nous touche pas. Hop, on s'avance un peu. Donc là je tire parce que je sais plus s'il y a des globules ennemis, oui il y en avait un. Je l'ai eu, donc j'ai encore tous mes HP, hein, ma barre de santé est à 3 niveaux. Donc c'est très bien, donc là normalement je pense qu'on va combattre Carmen Sandiego. Warning, danger. On lui tire dessus tout de suite. C'est le temps des règles.
Et là, elle va me lancer ses calendriers. Il faut un petit peu le faire. Hop là, juste ici. Et là, faire attention parce qu'elle va nous jeter hein, des globules rouges. Hop, on les évite. Et non, elle m'a eu. Flûte! Elle va encore me lancer. Je vais aller là-haut. Globule rouge. J'ai perdu une vie. J'espère que je vais pas mourir. Fuck yeah! Je l'ai eu. Cool, je suis contente. Donc là, on est à la fin du jeu, bientôt. Reste à peu près 5-6 minutes. On va retourner chez nous. Hein. Go. Donc là, on avance, elle est dans le noir, elle ne comprend pas ce qui se passe, donc on avance et on essaie de faire en sorte qu'elle se mette à parler toute seule. Improviser une œuvre d'art, donc ce qu'on va faire, on va se mettre derrière ici. Touche. Carotte. Parfait. Lunettes. Cadavre de Cornelius. Et puis on va prendre le truc en haut là, la lame de rasoir. Voilà, donc elle va fabriquer une œuvre d'art. C'était l'œuvre d'art qui était à la E4 tout à l'heure, vous l'avez vu quand elle était dans le salon sur son stand. Et donc elle va se faire virer, c'est pour ça qu'elle raconte son histoire, qu'elle a rejoint Jacques tout à l'heure à la E3. E4, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps la E3. Bon, j'en sais rien, je sais pas quoi dire. Allez, on va dire pixel art. Voilà, je choisis n'importe quelle réponse, hein. Je ne cherche pas une spécificité. Oh, monstrueux, c'est mes règles aujourd'hui. Excellent. Voilà, on finit le chapitre 7 et c'est la fin bientôt. Donc il y a encore deux jeux à déverrouiller. Donc 3, 3, 3, excusez-moi. Trois jeux. Il y a le jeu avec la voiture. Donc là, j'accélère, j'appuie sur croix. C'est un jeu automatique là, hein. C'est un trophée lié à l'histoire, donc bon, il est immanquable. En fait, ils vont tous les trois rentrer chez eux. Et on sera sur la route. Voilà. Voilà la fameuse voiture. Il faudra tout simplement ramasser des pièces jaunes et éviter les véhicules. C'est simple. Il y aura des piétons, mais les piétons, vous pouvez. Si vous les percutez ou les renversez, ce n'est pas un problème. En tout cas, dans ce jeu, ce n'est pas un souci. Donc, on se décale avec les touches directionnelles. Puis voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. On ramasse les pièces jaunes, il faut au minimum en ramasser 50. Voilà, donc j'ai renversé quelqu'un, mais ce n'est pas, ça m'a pas mis un game over. C'est les véhicules qu'il faut éviter à tout prix. Vous focalisez pas sur le chiffre 15, 16, essayez juste d'en ramasser un maximum, et puis voilà, le trophée sera à vous. Ah, le trophée il est déjà tombé, hein, mais bon, il faut aller jusqu'au bout du jeu. Voilà, c'est vraiment les véhicules qu'il faut éviter. De toute façon, les petits cubes jaunes, il y en aura tout le temps sur la route. On ne peut pas vraiment en manquer. À part, à un moment, il y aura quelques bouchons. Hein, donc, il faut vraiment faire attention ici. Ah là, je suis à 46, donc je pense que c'est bientôt la fin. 51, exact.
la, lo, ma, ble, la, mo, la, ble, bra, lo, ble, ble, bri, bli, bre, bla, ma, blo, li, bri, lo, ble, le, mo, bla, mo, mi, ble, lo, ble, ma, ble, ble, bro, blo, mo. Bon, on va aller faire tomber un trophée, on va aller aux toilettes. Il faut monter ici, toilettes. Et puis, bah, ce jeu, vous pouvez le quitter aussitôt, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de le gagner. Voilà, le trophée est tombé. Hop. Vous pouvez mourir ou le quitter en appuyant sur pause et quitter. Ou bien, faites-vous tuer. Et voilà. Appuyez sur rond pour quitter. Ou appuyez sur option pour quitter. Donc là, on va aller parler à Ethan, ici, avec sa guitare. Ensuite, on va aller parler à jeu d'aventure. On va aller parler à Violette, ici, on se met près d'elle. Je vais mettre le triangle parce que j'aime beaucoup l'univers post-apocalyptique. Maintenant, on va aller demander l'avis. Ah lui, Frichet, j'avais complètement oublié son prénom. Et on va retourner parler à Ethan. Hop. Ils vont tout simplement avoir une réunion d'informations sur leur futur jeu de développement. Et un trophée va tomber tout de suite. Bon, alors ce jeu, je ne comprends rien du tout à ce jeu. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que j'appuie sur le touche directionnelle gauche, droite, puis après j'appuie sur croix. Voilà, je fais ça tout le temps, plusieurs fois. Même si je comprends rien à ce qu'il faut faire. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, hein. Les boutons ne sont liés à rien d'autre à part les touches directionnelles et la touche croix. Voilà, donc là c'est vert en haut, donc ça me semble bon. Ouais, ils ont dit moyen. Non, c'était pas bon. Et ben voilà, c'était super simple en fait. On va aller parler à Ethan. Vérifier le progrès du projet. Donc on recontinue, on rediscute. On va parler à Violette. Encore une fois, on recommence comme tout à l'heure. On va rediscuter encore avec le 3. Pour mettre fin au jeu. Voilà, donc maintenant on va discuter à Fraîcheur. Je pense que c'est comme ça, lui. Fraternon. Maintenant, on retourne parler à Ethan, il va le faire tout seul. Et puis, c'est la fin de ce jeu. Vous ne devrez avoir raté aucun mini-jeu. Et vous devriez avoir fait tomber le platine tout de suite à l'instant. Si vous avez quitté le jeu pour faire autre chose dans votre vie réelle, il faut le faire uniquement lorsque le chapitre a pris fin. Comme ça, vous pouvez revenir dans le jeu et recontinuer l'aventure au chapitre précédent. Au début du jeu, du chapitre. Donc voyons ça, voyons si nous avons raté aucun jeu, mini-jeu. Le trophée devrait tomber tout de suite. Et le platine est tombé, donc j'espère que vous avez apprécié, c'était très sympa comme jeu.
Voilà, donc là, je vais vous montrer les mini-jeux que je viens de déverrouiller. Donc là, le deuxième mini-jeu qui est verrouillé, c'était le jeu avec les toilettes, quand il a dû aller boire dans la fontaine pour pouvoir aller faire pipi. Nous avons tiré avec de l'urine dans les WC quand des mains sortaient en bas. Et voilà, donc là, il est complètement bloqué alors qu'on l'a bien fait tomber le trophée et on l'a bien fini. Donc voilà, c'est un petit bug du jeu, je ne sais pourquoi il est verrouillé. Et tous les jeux que nous avons faits sont ici présents. Hop, on les a tous faits les uns après les autres. Et voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salutations, merci à vous.